Le président de la République centrafricaine et président en exercice de la CEMAC, Faustin Archange Touadéra, s'est entretenu 2 heures durant avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, le 29 avril 2023 à Yaoundé. Une rencontre qui intervient un mois seulement après le sommet des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenu les 17 et 18 mars 2023 à Yaoundé et au terme duquel le président Touadéra avait pris la tête de l'institution sous-régionale à la fin du mandat du président Paul Biya. Les deux chefs d'État entretiennent d'excellentes relations. Il me semble que la visite du chef de l'État centrafricain, un mois seulement après la tenue du sommet de la CEMAC à Yaoundé, peut s'inscrire dans le cadre du prolongement de la coopération multilatérale et du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Depuis le 17 mars dernier, c'est la Centrafrique qui préside désormais aux destinées de la CEMAC, une sous-région complexe et agité par des conflits internes et la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Le Cameroun et la Centrafrique sont deux pays frontaliers qui partagent quelques défis communs, notamment au niveau humanitaire, avec un flux de déplacement de population de la RCA en sol camerounais, mais aussi au niveau sécuritaire, avec des incursions de rebelles provenant de la RCA à l'est du Cameroun. L'un des défis urgents qui mine le développement de la RCA est celui de la crise sécuritaire. Le Cameroun participe à la restauration de la sécurité en RCA à travers les contingents de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, auquel le pays alloue régulièrement du personnel militaire et des unités de police. Cette visite me semble donc douée de bon sens et politiquement riche pour la Centrafrique dans une dynamique ascendante dans ses options de développement. Étant donné l'expérience du président Paul Biya dans la modération et la subtilité avec laquelle il a toujours su traiter la coopération avec ses voisins. Le chef d'État Faustin Archange Touadéra, dans le cadre de son mandat à la présidence de la CEMAC, a parmi ses missions l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de l'organisation, notamment la libre circulation des personnes et des biens et le développement économique par la coopération sous-régionale.